Nous voici de retour dans les studios de TVA Jarry. Pour ceux qui nous rejoignent, vous regardez l'émission Face à la presse en partenariat avec Le France Anti. Notre confrère de la presse, André-Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines de France Anti, est avec nous. Madame Lucette Michaud-Chevry répond à nos questions. On démarre sans plus tarder notre brique Le Tiercé. Alors, Madame Michaud-Chevry, je vous rappelle le principe de cette rubrique du Tiercé. Vous devez choisir un chiffre sur le pavé numérique qui va s'afficher dans un instant. Un chiffre entre 1 et 10. Voilà, merci à la technique. Alors, un chiffre 5. Entre 1 et 5. Alors, que se cache-t-il derrière la question numéro 5 ? Serez-vous candidate à la succession de la mairie de Basse-Terre ? Jamais. Pour 2020, jamais. Jamais, c'est fini. Pourquoi ? Qu'est-ce qui est fini ? C'est fini. Fini, faut. Qu'est-ce qui est fini ? La politique, je l'arrête. Je finis mes mandats. Je peux penser, je peux écrire, mais je ne serai candidat à aucun poste politique parce qu'on ne peut pas avoir été et être. Il faut laisser la place. Faire de la formation, oui, mais plus le poste politique pour Madame Michaud. Vous parlez de formation. Quel type de formation J'ai beaucoup formé. Hein. J'ai formé Carabin, je cite que cela, tous les femmes qui sont en politique, là, j'ai travaillé avec elles. D'accord. Parce que j'ai appris à faire de la politique. Écoutez, j'ai fait de la politique à François Mitterrand, c'était pas un gamin. Et j'ai fait de la politique avec Jacques Chirac, c'était pas des gamins. C'était pas des gamins. Donc ce que j'ai appris, ce qu'ils veulent, je les reçois, je discute avec eux, mais occuper des postes politiques, C'est fini. Donc votre dernier mandat Je le termine là, j'aurai 90 ans. C'est assez. 68 ans au service de la Guadeloupe, c'est beaucoup. C'est suffisant. C'est énorme. Un autre numéro, s'il vous plaît, toujours entre 1 et 10, mais si on ne peut pas prendre le 5 à la technique. Le 3. Alors la technique, si on veut bien nous mettre le pavé. Le numéro 3, André-Jean Vidal, si vous voulez bien lire la question, que se cache-t-il derrière ce numéro. Quand les importateurs faisaient venir ici du chlordécone, quand les planteurs le mettaient sur dans leur champ, tout le monde savait que c'était nocif. Vous étiez député, pourquoi n'êtes-vous pas intervenu ? Le chlordécone, on ne savait pas. On a su sur le chlordécone bien longtemps après. La première personne guadeloupéenne qui est intervenue sur le chlordécone, ça a été Joël Bouchard, qui est intervenu dessus, le chlordécone. Mais il y a eu, auprès du gouvernement, une pression terrible sur le chlordécone pour protéger la banane, qui était la seule production. N'oubliez pas qu'on a perdu la canne avec nos petits combats politiques. On allait perdre la banane, on nous a montré que c'était nécessaire. Sans pour autant qu'on ait eu des experts au niveau international qui nous ont dit les conséquences. Or, le chlordécone nous coûte cher, parce que pour combattre le chlordécone, il faut avoir du charbon actif. Et du charbon actif, il n'y a qu'une seule société qui l'exporte, qui est en Guadeloupe et en Martinique. Et quand il n'y a pas de charbon actif parce que ce n'est pas arrivé, nous sommes dans des situations préjudiciables qui ne sont pas la faute des élus. Donc le chlordécone n'avantage personne. Les sources de toute la région de Cap-Estève, de Trois-Rivières, de Saint-Claude, de Goubert, où nous avons des quantités de captage, ont été polluées par le chlordécone. Donc je ne peux faire le procès de personne dessus, parce que lorsque je reçois de la production des pays de la Caraïbe ou des pays de l'Amérique du Sud, je ne sais pas quel produit il y a eu pour faire pousser ces produits. Donc c'est un problème qui devient maintenant, qui a une dimension internationale, et je pense que la position qui est prise par le gouvernement d'essayer de bien connaître les conséquences du chlordécone sur la santé était indispensable. Alors, nouveau numéro à choisir, toujours entre 1 et 10, donc vous avez choisi le 7, des chiffres impairs aujourd'hui. Alors le 7, que se cache-t-il derrière cette question ? Alors, comment comptez-vous sortir de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes du Rouge ? Qu'est-ce que... Mais non, mais la communauté de communes de la... n'est pas plus appauvrie que d'autres communes. Mais c'est ça qu'on ne comprend pas trop. Mais non, mais on gère 11 communes. Et il y a des communes qui sont toutes seules, qui ont des déficits 10 fois plus élevés que nous.
Je vous dis, vous savez ce que je pense? Si Michel Chauvry n'existait pas, il faudrait la créer. Faudrait l'inventer. Faudrait l'inventer, tout passe sous la communauté. J'entends comme si l'eau est plus polluée chez nous. La commune de Vieux-Fort, qui fait partie de la communauté de communes, est gérée par la société CGSP. A connu en même temps que nous des pollutions de l'eau. On n'en a jamais parlé. Aujourd'hui, dans la marina de Rivière-Sens, on est en train de verser de la terre. Il y a une décision du tribunal qui a été prise en référé qui condamne une société qui le fait. On n'en parle pas. Dès qu'on entend Michel Chauvry, je vous dis, on me fait exister. Vous me demandez pourquoi j'ai l'énergie. Mais je suis obligé d'avoir de l'énergie. Quand vous recevez des coups, vous vous courbez ou vous réagissez. Plus on vous donne de coups, plus je réagis, plus je rajeunis. Alors, si vous voulez que je disparaisse, oubliez-moi. Donc, on fait une fixation sur vous. Oui. Mais oui, c'est ça. On fait une fixation sur moi parce que j'ai un carrière, j'ai un caractère, j'ai peut-être mauvais caractère, je ne me laisse pas faire, je dis ce que je pense. Et ici, on ne reconnaît pas ce droit aux femmes. J'ai subi toutes sortes d'humiliations, M. Jean Vidal, parce que j'ai pris la présidence du Conseil général et je ne me suis pas laissé faire. J'ai fait des choses extraordinaires pour mon pays et je regrette que le mémorial, le WTC, où je voulais implanter l'Europe dans la Caraïbe avec la participation de Trinidad, on l'a cassé. Parce que j'étais une visionnaire, je voulais aller de l'avant, j'ai commis beaucoup d'erreurs, incontestablement dans ma précipitation de faire, mais on ne peut pas dire qu'on reste insensible quand je parle. Moi-même, je me donne des notes. Alors. Merci pour ce tir-ci. Nous passons maintenant à la rubrique de l'ordonnance. Alors, je vous rappelle le principe de cette rubrique. Madame Monsieur Chauvry, je rappelle à mes téléspectateurs que vous êtes avocate de profession, donc vous savez ce qu'est une ordonnance. Alors, première ordonnance revient à André-Jean Vidal, si vous voulez bien. Oui, 68 ans de vie politique. Vous avez de l'expérience, une énorme expérience. Quelle est votre recette pour séduire les lecteurs? Écoutez, moi, j'aime écouter les gens. Et je me mets toujours à la place de quelqu'un avant de le juger. Je me dis, qu'est-ce que j'aurais fait si je me trouvais dans cette situation? Être le procureur qui condamne, je n'aime pas du tout. Par contre, j'aime comprendre. J'ai bénéficié, M. Jean Vidal, d'une grande expérience, parce que François Mitterrand m'a permis de passer 15 jours avec Nelson Mandela. Et je n'ai jamais oublié la phrase qu'il m'a dit, « Madame Nelinis, ne laissez jamais les germes de la jalousie, les graines de la jalousie germer dans votre cœur, on ne récolte que la haine et elle est destructive. » Et je mets ça en application de façon régulière. Donc ça, c'est la première chose, c'est d'être à l'écoute. À l'écoute, se mettre à la place de l'autre avant de s'exprimer et de condamner. Alors, pour ma part, pour la prescription pour ETV, quelle est votre ordonnance pour soigner les maux de notre société guadeloupéenne? Mais d'abord, quels sont ces maux selon vous? J'étais et je suis toujours comme contre toute forme d'assistance. J'ai refusé de voter pour le RMI. J'estime que la seule chose qui compte pour moi, la dignité par le travail. Mais je dis qu'un compatriote qui est en difficulté, la société doit l'aider. Mais donner de l'argent aux gens pour qu'ils restent chez eux, c'est abrutir. C'est enlever toute forme d'énergie. C'est épuiser les ressources. Ma devise à moi, il n'y a qu'une dignité qui permet de rester debout le travail. Eh bien, merci Madame Michaud-Chevry pour vos prescriptions. Merci d'être venue ici dans les studios de TV. On va passer tout de suite à la promotion de la presse. André-Jean Vidal, quelles sont les nouvelles? Ensemble est sorti et Ensemble, on va le trouver pendant 2 mois dans les kiosques, c'est à peu près 500 kiosques en Guadeloupe. Ensemble, vous ne le connaissez peut-être pas, Madame le ministre, mais c'est un journal pour les 50 ans et plus. Donc il y a plein de conseils pour ceux qui ont dépassé 50 ans. Mais quand vous avez dépassé 50 ans, vous êtes dans une famille.
il y a aussi plein de conseils que peuvent suivre les plus jeunes. C'est un journal intergénération. Très bien. Mais avec les 50 ans comme base. Comme base, comme souhait. Pour les seniors, on dit. Pour les seniors, c'est ça. C'est un magazine pour les seniors, mais il faut le lire, puisque par exemple cette fois-ci, nous avons interviewé quelqu'un que vous connaissez sans doute, un pianiste de renommée internationale, Mario Canonge. Oui. Nous avons interviewé aussi, nous avons rencontré un couple qui est emblématique aux abîmes, qui est le couple Zorobabel. Oui, connu. Serge et Christiane du Baobab, le plus gros PMU de France, imaginez-vous ça. C'est énorme. Et oui, c'est énorme. Et maintenant, ils sont dans leur petite retraite, au début des grands fonds, aux abîmes, une superbe maison, une superbe propriété, où monsieur fait ses légumes, élève ses poulets et ses cochons. Et nous les avons rencontrés, ils sont formidables. Non mais c'est un grand nom. Merci, voilà, Face à la presse est déjà fini. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant la suite de nos programmes sur ETV avec le journal d'information. Si vous nous suivez en radio, retrouvez également dans quelques minutes le journal local de FM, suivi du journal national et international avec nos confrères de RTL. Bonne suite de programmes sur ETV et EFM Radio.